Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un road trip particulier organisé par Allo Pneu et Michelin pour tester le Michelin Anaki Wild qui est un pneu 50-50. Aujourd'hui, ils m'ont préparé un itinéraire que je vais suivre qui va être mi-route, mi-chemin et vous allez suivre mes ressentis et mon expérience tout au long de la journée. C'est parti, on y va! Pour ce road trip, on est parti de Nice, donc là on était sur de la superbe route, bien agréable. Là on est à Villefranche-sur-Mer, donc on part direction La Turbie. On est parti direction La Turbie via la Grande Corniche, donc là c'est optimal pour pouvoir tester tout ce qu'il faut sur un pneu. On est sur une gomme qui est vachement tendre, moi je suis très très fan de ce type de pneu. Beaucoup de virages à allure assez modérée voire élevée. Je déroule bien. Super agréable. Là, on arrive au village de la Turbie, qui est au-dessus de Monaco. Superbe petit village. Et là, en fait, on est parti direction le col de la Madone de Gorbio. Merci à l'OPE pour l'itinéraire. Regarde-moi ça. Wow. Là, en fait, on est sur la route qui va être beaucoup plus sinueuse, avec des pif-paf très serrés. Donc, encore l'occasion de tester le pneu sur d'autres circonstances. Je sais pas si tu vois l'angle à chaque fois que je mets. C'est quand même vraiment stylé quoi. Après ça, on arrive au village de Sainte-Agnès, qui est le village littoral perché le plus haut d'Europe. Superbe vue, impeccable. Voilà, on vient de quitter le village de Sainte-Agnès. On continue le road trip Michelin à l'eau bleue. Après ça, on prend la direction des pistes en off-road, tester les pneus sur de la piste très roulante et aussi sur des portions qui vont être beaucoup plus techniques. Tu vois, ça c'est vraiment le type de terrain de jeu idéal pour ces pneus-là. C'est 100% validé quoi. C'est l'occasion de tester le grip dans plein de circonstances, tous les terrains possibles, histoire de tester la polyvalence des pneus. Ça tient très 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 bien. J'adore. Le pneu Michelin Anaki Wild, pour moi, c'est la représentation de la polyvalence. C'est à l'image du trail et de la pratique du trail aujourd'hui. Donc ça va être un pneu qui va être très très bon sur tout type de route, qu'elle soit sinueuse ou d'excellente qualité. En fait, on va pouvoir mettre de l'angle à des allures qui sont très variables. Ça va toujours tenir, donc on est sur un pneu qu'on va complètement oublier. En off-road, le Anaki Wild, il y a une excellente accroche. On se pose aucune question, il est absolument parfait. Un grand merci du coup à Allo Pneu et Michelin pour ce road trip qui a été concocté aux petits oignons. Je suis ravie de les avoir, de les garder parce qu'ils correspondent absolument à ma pratique du trail. Maintenant, à vous de nous donner vos idées, des road trips super mixtes à l'image de ces pneus. Merci à tous et à bientôt pour un prochain road trip.